Salut, c'est Louane et vous regardez l'interview du Tarpin Bien. Louane, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup de faire cette interview avec nous pour le Tarpin Bien. Ben, merci à vous, je suis très contente. Alors tu es ce soir au Sport Beach à Marseille, tu vas nous faire un petit showcase. Exactement. Et tu vas nous jouer quelques morceaux de ton album donc, qui s'appelle Louane, qui est sorti en novembre dernier. Mm-hmm. Cet album déjà, comment il est né? Il est né de beaucoup de choses, de beaucoup de collaborations. D'une envie profonde de faire de la musique. Je me suis vachement plus investie dans le deuxième album que dans le premier. J'ai vraiment cherché à rencontrer des gens avec qui j'avais envie de travailler, comme Julien Doré, Benjamin Biolay, Vianney, Teamed Up, et d'autres avec qui j'avais déjà travaillé, comme Dan Black, Patchy. Beaucoup de collaborations. Beaucoup de collaborations. Et quelques titres de moi aussi, mais vachement moins, pour être honnête. Mais c'est vrai qu'il y avait une vraie envie de partager, de faire de la musique, de travailler. Et c'est comme ça qu'est né l'album, en tout cas. On rappelle, ton premier album, il s'appelait Chambre 12. C'est ça. Et il était sorti en 2015. C'est ça. Avec le tube Jour 1, qui a été vraiment le gros tube de cet album. Le morceau qui est sorti là tout récemment, il s'appelle Immobile. C'est ça. Et donc il y a le clip que je vous invite à aller voir sur YouTube. Au début de ce clip, il y a une petite intro où tu parles avec un garçon et en gros vous faites un petit jeu et puis fait on se rend compte que tu vas partir en tournée. Exactement. Et qu'il est un peu déçu quoi, parce que tu vas lui manquer. C'est un peu autobiographique. Ça fait partie de ma vie tous les jours. C'est pas complètement autobiographique. En vrai, ça raconte l'histoire de ma vie, mais il faut surtout pas voir ça comme quelque chose de décevant, parce que moi j'adore être en tournée, j'adore partir, c'est pas du tout ça, c'était juste pour introduire un peu la chanson quoi. C'est aussi une façon de parler de quand t'es en tournée, finalement t'es loin de tous tes proches. De tout le monde quoi. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, j'ai une chance incroyable, c'est que j'ai des agents qui s'occupent extrêmement bien de moi et de ma carrière et qui font en sorte que j'ai assez de jours off pour pouvoir bouger, pour pouvoir voir ma famille, mes amis, tout ça. Oui, parce qu'en plus, comme t'es chanteuse et comédienne, c'est-à-dire t'es soit en tournage, soit en tournée. C'est ça. En général, les tournages, c'est cool parce que souvent, c'est sur Paris, ouais. Donc ça va. Mais en vrai, j'ai de la chance parce qu'ils se débrouillent super bien et mon planning, il est assez léger finalement. Puisqu'on parle de tournée, donc tu seras en tournée à partir du 11 mai prochain. Et donc, j'en profite pour le dire, tu seras le 15 juin au Dôme de Marseille. Voilà. Le 15 juin au Dôme. Donc rendez-vous. Venez me voir. Le 15 juin. C'est gentil, c'est sympa, on est cool sur scène. Est-ce que tu chantes le morceau Je vole en concert? Non, je chante pas le morceau Je vole. J'imagine qu'on doit beaucoup te le demander. Eh ben pas tant que ça en vrai. Non. Pour être honnête, pas tant que ça. Et il y a un moment où il faut faire des choix, il y a un moment où il faut construire un spectacle et pour le coup, on a privilégié plutôt les nouvelles chansons du deuxième album. J'ai vu que tu avais un projet cinéma qui allait sortir cette année, Les Affamés. C'est ça, exactement. Tu peux nous en dire un petit mot? Alors je peux pas en dire grand chose parce que pour être honnête, on n'a pas encore commencé la promo et pour l'instant, j'ai pas le droit de dévoiler grand chose. De ce film, mais d'abord il sort le 27 juin, voilà c'est la date de sortie du film, et c'est un film qui a été réalisé par une réalisatrice qui est plutôt très jeune, qui s'appelle Léa Fredval, et c'est son premier film, et en gros ça parle de la jeunesse, de la précarité de la jeunesse en France, plus précisément à Paris. Rendez-vous le 27 juin pour te voir dans Les Affamés. Donc, exactement. Est-ce que tu connais un petit peu Marseille? Très peu pour être honnête, vraiment, ouais. très peu. C'est-à-dire qu'en vrai, je connais le Dôme, le Silo et ici maintenant. Okay. Nous, on s'appelle le Tarpin Bien. Donc, tu sais ce que ça veut dire, Tarpin Bien? Ça veut dire très bien, c'est ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as une expression un peu perso pour dire Tarpin Bien, ton expression à toi? Moi, je dis c'est grave bien. C'est grave bien. Ouais. C'est un peu parisien. Je sais pas si c'est parisien, parce qu'en vrai, dans le Nord, on l'utilise beaucoup. Ouais. Toi, tu viens du Nord, hein, c'est on ça. L'a pas dit, t'es né à Hénin-Beaumont. C'est ça. Et j'ai pas mal vécu à Lille et toute ma famille est là-bas. Donc, Tu serais venu hier ou avant-hier, tu aurais eu le même temps que dans le Nord. Mais là, ça va, on a du soleil. Ouh, en tout cas, merci beaucoup, Loane, d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci. Puis, on te souhaite très bon courage pour le showcase de ce soir. Merci beaucoup et j'espère que ça va vous plaire.